Chapitre 14. Soigner nos plaies. Moi, j'attends la venue du comte. On va bien rigoler, hein. Mais bon, cette fois-ci, on aura Arnaud. Et avec Arnaud, on est immortel. Normalement. Non, bah ouais, là, ça m'étonne. Si on quitte l'île, je vois pas ce qu'on, où est-ce qu'on pourrait faire encore 2-3 chapitres, là. 14 inclus, 15, 16, 17, 4 chapitres. Mais le quatrième, c'est peut-être encore un bonus où il n'y a rien, comme dans le 1. Ou 3 chapitres. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 je chapitres? Je pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Bataille navale. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. Oh, de l'air frais. La rascasse. Tu nous as sauvés. Eh ouais. Comment est la vue? C'est beau. À quoi tu penses? Tu crois que je suis différent? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim? Hein? Oui. Alors, tu es toujours toi. Non. Je me sens différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. Dommage, il n'y a pas la maman alors que c'était prévu. Notre maison, Hugo. Notre maison. Oui. Il s'est évanoui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Ouais. Et oui, il a faim. Il y a des fruits. Pourquoi il mange pas? On peut bien lui donner un petit truc là, une petite pomme. Ah, toute la nourriture qu'il y a. Il y a même des choux, quoi. Non, il n'y a pas des choux, c'est de la salade. Aïe, 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 aïe. Elle est là, à mon avis, c'est pour continuer. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. Il faudrait, à un moment donné, parce que ça doit pas sentir bon, hein. Hé. Comment tu te sens? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange, un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous? Eh bien, je dirais que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors, oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que c'est pas fini. Donc, à l'aide. Et là, c'est fermé cette fois-ci. Bon, au moins, ça va plus vite de continuer. Ok. Bonsoir. Salut. Bien dormi? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ma mère, elle avait une maison, une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue, même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Amicia, viens voir. Ok. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il va bien? Qui sait? Et si on lui demandait directement? Bah, je croyais qu'il fallait pas le déranger. Oh, ils sont vraiment bêtes. Hein. Tu es vivant? À ton avis? Les morts, ça parle pas. Bien fait.
désolé pour... Mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil. Me le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Oh mon dieu, étonnant ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. Amicia, grosse merde. C'est toi qui décides quand elle s'arrête. Si depuis le début on n'avait pas trahi nos amis, ce que moi je ne voulais pas faire, on n'en serait pas là. Le comte serait déjà mort. C'est pas possible. Amicia, débile. Il s'approche pour de vrai ? Ah, il s'approche pour de vrai ? Du coup, si je fais rien. Non, il s'approche. Non. Non, c'est fixe. C'est fixe, c'est fixe. Est-ce que on peut faire des petits trucs secrets un peu ? Passer, Hugo. Fais attention. Hugo, cache-toi sous la table ou le lit. Reste-y jusqu'à ce qu'on soit hors de danger. Ouais. Surtout, hein. Faisons comme ça. Non. Bon, d'accord. Gardons les jambes dans le sol. Et les pieds aussi. Ça tient chaud. Et l'autre, il a même pas son bouclier. Non mais oh. Bon. Il y avait rien d'autre, hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait ? On est la voile dans le sens du vent. Ils vont nous éperonner là. Amicia, va sur le pont inférieur. Tout de suite. C'est si optif. Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi. Oui. On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud. Aucune chance. Ça marche. Prends ta vitesse. Mais ça ne suffira pas. On ils arrivent. Chargé. Oh oh. Et si Hugo l'avait mangé cette pomme, hein, au lieu de la jeter à l'eau, hein. Est-ce que vous vous rendez compte qu'elle serait dans son ventre plutôt que dans l'eau ? Wow ! Je m'occupe du chargement. Vas-y ! D'accord. Tiens bon, j'arrive ! Ah, ils sont... Non ? Faut juste les défoncer, hein. Pourquoi il veut toujours pas te faire mal à l'enfant, sa femme elle est morte. Oh, what? Et qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fout là, Lucas? Eh oui, ils vont nous éperonner, c'est ce que j'ai dit! Vite, mais... Oh, c'est full buggé. Allez, allez, évidemment. Mais c'est buggé, poussez vos têtes. Amicia! Amicia! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ils sont passés par du bord. Lève-toi, Amicia. Hey. Bon, ça change rien. On peut en tuer aucun comme tous, à mon avis, c'est la même chose. Lucas, Sophia, non. Venez, je vais vous tailler en pièces. Ils sont trop nombreux, Arnaud. À nous deux, c'est jouable. J'adore Arnaud. J'arrive. C'est mon personnage préféré, hein. C'est... Il est absolument exceptionnel. Ne sois pas lâche. Je comprends que j'y ai lâcheté. Ça ne me surprend pas. J'ai encore d'autres surprises. Vas-y, Arnaud ! Arnaud ! Ça me fait quoi de voir tes hommes mourir, Victor ? On s'en fait vous tuer. On doit tenir, te laisse les chercher. T'en fais pas. Je me rends compte. Tiens ! Oh là là, un viking! Patrick, tu es un homme!
Oh, 3, ah ça va. Putain! On peut y arriver! Venez donc! Non mais Arnaud, il va mourir! Non mais what? Non! Arnaud! Découplé! Oh non. Oh non. Mais il se fait attaquer contre quoi là? Ah d'accord, hein. Ah, c'est full buggé. Hein. Ah oui Arnaud le boss, c'est bon il revient. Voilà, on va. On revient à charge. Rendez-nous l'enfant, c'est le nôtre, hein. C'est mon frère, mais tout va bien. Faut que je me pousse de là parce qu'il va me bloquer. Oh le viking. Ils sont combien? De moins en moins, c'est tout ce qui compte. Non, mais il est que sur moi, c'est un tricheur. Ok, c'est bon, il le découpe là. Arnaud. Yes. Mais il faut... Faut pas aller sur le bateau d'en face. Ah ouais, non. Ok. Jusque là aucune surprise, moi ça m'étonne pas, mais je pense que je suis pas morte pour l'instant quand même. Hugo, viens ici! Oh désolé petit, les rats ne t'aideront pas ici. Je pense qu'on peut être surpris. Ah non, on va pas être surpris en fait. Oh le coup dans la nuque. Il est fort, mais enfin. Ce petit être si fragile. Et on est con, sur l'eau y a pas les rats donc. Ne le tue pas. Est-ce qu'on fout sur l'eau? Notre puissance, on a plus de puissance sur l'eau. C'est le fils d'Emily, mon fils. C'est un dieu. C'est un fléau, Victor. Tu dois le laisser s'en aller. Avec sa sœur. Non. Je le dois à Emily. Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre. Que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai. J'ai des doutes. Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. En vrai. Un monde bien meilleur. Le problème c'est que si la macu... Oh putain. Tu dois du sang. Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le. Si la Makila se réveille en Hugo, effectivement c'est mort. Hein. Hey, comme quoi de pas avoir d'armure, ça a juste un avantage, il coule pas.